Une semaine après son agression, Jamel Gharbi reste très marqué parce qu'il a vécu le 16 août dernier à Bizerte, en Tunisie. Cet élu des Pays de la Loire a été pris à partie avec sa famille par des islamistes salafistes. Roué de coups, il a décidé de porter plainte. Peggy Mauger. Ces photos datent d'il y a une semaine. Des clichés qui témoignent de la violence de l'agression dont il a été victime. Le soir du 16 août dernier, Jamel Gharbi, franco-tunisien, se balade avec sa femme et sa fille de 12 ans sur le port de Bizerte, en Tunisie, lorsqu'ils croisent un groupe d'islamistes radicaux. Très vite, la famille est prise à partie. La Tunisie est un pays islamique, crient les salafistes, qui leur reprochent leur tenue trop légère. Là, c'est des matons. Je dis textuellement et mot pour mot, Françoise, Françoise, sauve-toi, 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 sauve la petite. Puis là, les coups sont tombés, ils n'ont plus, quoi. Hein. À main nue, derrière la nuque, puis des coups de bâton, enfin, c'était un lynchage en règle, quoi. Ce jour-là, près de 200 salafistes manifestent à Bizerte contre la programmation du festival culturel annuel, jugé blasphématoire. Les affrontements sont violents, plusieurs organisateurs se retrouvent à l'hôpital, blessés à l'arme blanche. De telles violences se multiplient en Tunisie depuis la chute de Ben Ali et l'arrivée des islamistes modérés au pouvoir. On a chassé un dictateur, mais après, bon, si vous voulez, ça fait un an et demi que ce gouvernement est au pouvoir. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, où sont les libertés, où est-ce qu'on peut parler? Oui, bien sûr, il y a des associations qui sont mises en place, mais l'individu, est-ce qu'il est sécurisé? La preuve que non, je ne le suis pas. La semaine dernière, ce sont les femmes qui manifestaient à Tunis pour réclamer plus de liberté. Jamel Gharbi a porté plainte et a reçu le soutien du gouvernement français.